Le mandat de la mission pour l'RD Congo qui commence actuellement est un mandat essentiellement de mise en œuvre de tous les projets que nous avons conçus pendant les mandats précédents. Donc c'était des mandats conceptuels. Nous aidions l'organe de comité de suivi de réforme de la police congolaise à développer tous ces projets. Et maintenant, dans le mandat qui va commencer, nous allons mettre en œuvre sur le terrain les projets qui ont été conçus pendant les années précédentes. Pendant 2 ans, ici, j'étais secrétaire exécutif adjoint du comité de suivi de réforme de la police. Donc j'ai vécu cette transformation de très près. Et ce sera d'autant plus aisé pour envoyer mes équipes sur le terrain pour aider maintenant à la mise en œuvre de tous ces projets que nous avons développés et auxquels j'ai de près ou de loin, auxquels j'ai participé. Pour moi, le premier projet qui me vient à l'esprit est le projet de police de proximité que nous avons développé ici au comité de suivi de réforme de la police depuis déjà maintenant 1 an et demi et pour lequel nous avons d'ailleurs tenu il y a 15 jours un séminaire national à Kinshasa. Et cette doctrine, ce nouveau concept de relation entre la police et le citoyen trouve toute sa signification au Congo dans le cadre d'une police qui doit être réformée et passer d'un statut militaire à un statut civil. Donc il est très important de combler ce trou, ce fossé hein, entre le citoyen et sa police. Et nous avons très, très, très concrètement beaucoup de choses à faire en la matière, bien sûr. Concrètement, nous aidons la police nationale congolaise au niveau de la formation parce que nous formons ses formateurs. Donc avec l'aide d'autres partenaires internationaux comme la MONUSCO ou bien d'autres coopérations bilatérales, je pense aux Allemands, aux Français, aux Britanniques, nous apportons une aide très concrète aux policiers dans le cadre de la formation. Nous formons leurs formateurs. Donc par après, les gens que nous avons formés vont pouvoir faire tâche d'huile et à leur tour former d'autres officiers de police judiciaire congolais. Nous partageons certaines fonctions, certains postes sont mutualisés, certaines fonctions sont mutualisées et des experts de pôle travaillent au profit de SEC comme certains experts de SEC travaillent au profit de pôle. Donc nous avons une synergie très étroite avec SEC et nous nous voyons d'ailleurs très régulièrement, au moins chaque semaine et nous partageons nos points de vue, nos expériences et nous essayons de tirer profit de notre action sur le terrain pour enrichir le travail de l'un et de l'autre. Paul. Ça, vous pouvez le tromper dans mon nom, vous pouvez le retourner mon nom, vous avez vous-même. Jean, Paul. Okay. Ce qui est vrai. Paul. Avec la presse, c'est toujours un peu difficile. Ce n'est pas dans notre culture.